C'est au dépôt de Dijon-Périgny où elle est en relais que nous allons faire connaissance avec la bébé 27094 affectée à l'établissement matériel et traction de Lens. Issues de la gamme Prima, les bébés 27000 et 37000 sont construites par les établissements Alstom à Belfort. 180 bébés 27000 et 60 bébés 37000 vont ainsi sortir des chaînes de production. Étudiées par l'activité fret de la SNCF pour ses propres besoins, ces locomotives ont des capacités de traction leur permettant de remorquer un train de 2700 tonnes en palier et de 1800 tonnes en rampe de 10 pour 1000. Aptes à 140 km/h, couplables en UM, elles peuvent ainsi répondre à tous les besoins de l'activité fret sur les lignes électrifiées du réseau français. Ces locomotives, fer de lance du fret français, prennent progressivement la relève des séries anciennes pour qui l'heure de la retraite tant attendue est enfin arrivée. Intéressons-nous de plus près à la 27094. La face avant est dotée de l'attelage classique, de deux demi-accouplements CG, deux demi-accouplements CP, d'une prise et d'un câbleau pour le fonctionnement en unité multiple. On remarque l'absence d'équipement permettant d'alimenter un train en énergie électrique, ces locomotives étant dédiées à l'activité fret. Le pare-brise, d'un seul tenant, est équipé d'un unique essuie-glace. La signalisation d'extérieur est réalisée par trois phares et deux feux rouges à diode. Les bogies, constituées de deux caissons en tôle d'acier, entraînent la caisse chacun par une barre de traction. Ils sont équipés d'un moteur de traction asynchrone par essieu. Les suspensions primaires et secondaires sont assurées par des ressorts. Le captage du courant est assuré par deux pantaux, l'un adapté au courant continu et l'autre adapté au courant monophasé. Les 37000 disposent d'un troisième pantau utilisé sur les réseaux suisses et allemands. Montons en cabine. Sur ces locomotives, le pupitre est disposé au centre de la cabine. Examinons en détail les différents organes de commande. Le classique manipulateur traction-freinage rotatif a disparu pour laisser sa place à une manette façon joystick. À proximité de ce manipulateur, un bouton poussoir d'urgence pantau a pris place. Il est utilisé lorsqu'il est nécessaire d'abaisser les pantographes en urgence. Face au conducteur, l'indicateur de vitesse à aiguille et le module KVB. Les 37000 disposent en plus des équipements de sécurité nécessaires pour circuler sur les réseaux suisses et allemands. À gauche, les organes de commande du frein. Le frein automatique, à l'instar des 36000, dispose d'une position freinage d'urgence. Le frein direct, à commande électrique, agit directement sur chaque essieu de la locomotive. Un bouton poussoir, permettant l'arrêt d'urgence, est aussi présent. Au-dessus du bloc frein, les organes permettant sa mise en service, ainsi que la commande de l'essuie-glace et du lave-glace. Sous cette plaque, le clavier, qui permet au conducteur d'enregistrer son numéro d'immatriculation, le numéro et le parcours du train dans le dispositif ATES remplaçant l'ancienne bande graphique en papier. Deux écrans ont fait leur apparition. Celui de droite permet de connaître l'état de la locomotive, carnet de bord informatisé, d'assurer sa mise en service, sélection du pantau et du sens de marche, et d'assurer son dépannage en cas d'avarie. L'écran de gauche remplace les traditionnels manomètres, ampèremètres et voltmètres. La tension de la caténaire, quel que soit le courant d'alimentation, est indiquée par un unique curseur à trois couleurs. Rouge, absence de tension, orange, tension insuffisante, verte, tension normale. Un symbole renseigne le conducteur sur la montée effective du pantau et son contact avec la caténaire. Les pressions sont indiquées par des curseurs à l'exception du réservoir principal. L'appareillage est installé de part et d'autre d'un couloir central. Cette disposition facilite la maintenance. On y trouve notamment le compresseur, les ventilateurs des moteurs de traction, le bloc frein. Accompagnons maintenant la 27094 pour un parcours entre le dépôt de Dijon-Périgny et le triage de Gevrey. Mise en service de la locomotive. Le conducteur prend connaissance du carnet de bord et de la fiche rose, lui indiquant les éventuelles restrictions, comme par exemple une limitation de vitesse, l'interdiction d'utiliser la locomotive en unité multiple. Le conducteur se rend dans le couloir. «
mise en service de la batterie et vérification du bon positionnement et du plombage des dispositifs de sécurité. Déverrouillage de la clé de mise en service, l'écran de droite s'allume. Sélection du panteau continu et commande de montée de celui-ci. Fermeture du disjoncteur, dont on entend le bruit d'enclenchement. Mise en service des freins. La pression du réservoir égalisateur et de la conduite générale s'établit à 3 bars. Desserrage des freins, alimentation de la CG à 5 bars, suivi d'un essai de fonctionnement. Essai de la veille automatique, le son est émis, ouverture du disjoncteur, mise en action du freinage d'urgence, par vidange de la conduite générale. Essai du KVB. Le disjoncteur s'ouvre, la conduite générale se vidange. Contrôle des agrès de sécurité. 2 torches à flamme rouge, 6 pétards et 2 drapeaux. Prêt au départ, nous allons nous diriger sur la plaque tournante qui nous orientera en direction de la voie de sortie. Arrêt au carré violet 63. Le conducteur va s'annoncer au poste 2 de Périgny
et demander l'autorisation de sortie du dépôt. Ouais, bonjour, tu es au 63. La 27094. La 56123. Là, je te remercie, salut. Sur la voie une raccordement Lyon, un train de wagon porte-auto vide tiré par une 26000 se dirige sur Montbéliard. Devant le carré violet 59. Le signal s'ouvre à l'avertissement. Nous sommes dirigés sur la voie une circulation. Le poste 2 de Périgny. Circulation entre les faisceaux Est et Relais de Périgny. Ouverture à l'avertissement du carré 58, nous poursuivons notre marche. La 2 pour le 43, 120 à toi. 43, 120, je t'écoute, bonjour. Oui, bonjour, est-ce que c'est toi qui continues sur la ligne à toi? C'est moi qui continue sur la ligne à toi.
Les bien sûr, tu continues. Et bien entendu, bonne route, c'est terminé. Acquittement du signal fermé. À droite, le poste 3 de Périgny. À gauche, l'ancienne butte de triage maintenant inutilisée. Périgny est affectée uniquement au garage, des trains et au relais d'engins moteurs. Deux feux de direction, nous sommes dirigés sur Gevrey. Un feu nous dirigerait en direction de Saint-Amour. Rejoignent les voies en direction et provenance de Saint-Amour et Bourg-en-Bresse pour accès direct au triage de Gevrey. Le carré 55 est à voie libre. Après son franchissement, nous pourrons circuler à 60 km/h. Deux feux de direction nous indiquent que nous sommes dirigés sur la voie Une Terre. Nous allons passer sous la voie 2 circulation dite raquette. Cette voie permet aux trains en provenance du sud de rentrer sur les voies du faisceau réception de Gevrey dans les mêmes conditions que les trains en provenance du nord, l'accès de ce triage ne se faisant que par un seul côté. Comme l'indique la lampe de signalisation en bas à droite de l'écran, la traction est actuellement coupée et nous circulons en marche sur l'air.
Nous circulons le long du faisceau réception où sont garés les trains en attente de triage. Sur la butte, 266 700 s'apprêtent à débrancher leur train. Carré fermé, nous laissons deux trains sortir du faisceau départ nord où nous irons ensuite effectuer notre mise en tête. Thank you.
Feu blanc clignotant, plaque G, le signal est ouvert en direction du faisceau départ. Notre mise en tête va pouvoir s'effectuer. Maintenant, quelques vues de train en ligne.
Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, darle like al vídeo y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.